Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ramadan Mubarak. Le monde entier vit une période de crise sanitaire sans précédent, touchée par le COVID-19, une maladie à laquelle même les plus grandes puissances ont été confrontées. C'est vous dire combien de fois nous devons rendre louange à Allah. Louange à Allah parce que nous sommes en bonne santé. Louange à Allah parce que nos familles sont en bonne santé. Louange à Allah qu'il puisse nous permettre d'avoir un remède à cette maladie. Aujourd'hui, le monde entier est en crise. C'est vous dire que c'est une période exceptionnelle et à situation exceptionnelle, mesure draconienne, n'est-ce pas? Que devons-nous faire pour affronter cette période? Prions en famille. Rien de plus beau que de voir un père de famille faire prier sa progéniture. Rien de plus beau que de voir une épouse prier derrière son mari. Profitons de ces temps de dévotion pour unifier la cellule familiale. Prier en famille, réciter des zikres, partager l'histoire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et des autres prophètes qui ont marqué leur temps autour d'un repas, pendant nos discussions au salon. Ce sont des thèmes que nous pouvons aborder afin de tirer profit de ce moment de dévotion qui est d'ailleurs davantage mis à l'épreuve pendant ce confinement. Mais le côté positif de ce confinement est que pendant cette période de Ramadan, nous ne sommes pas exposés aux facteurs extérieurs qui peuvent nous énerver, qui peuvent faire de telle sorte que nous pouvons médire, qui peuvent nous amener à faire quelque chose qu'on ne veut pas. Alors, ce Ramadan, on peut le considérer comme un Ramadan exceptionnel, mais en le mettant en profit pour davantage renforcer notre foi. Parce que nous n'allons pas à l'extérieur, alors cela limite un peu notre nervosité pour nous disputer avec les gens et tout ce qui s'ensuit. Et tout cela peut réduire en fait nos péchés. Restons dans notre espace, prions ensemble. C'est vrai que beaucoup veulent aller à la prière, mais cette année est exceptionnelle. Acceptons-le, adaptons-nous. Alors,